Nous allons vous présenter deux films, Gay et Après, qui durent 96 minutes, et un film qui s'appelle Postix, qui dure une vingtaine de minutes, hein, si la mémoire est bonne. Et voilà, c'est à peu près ce que je devais dire, non? Il y a une répartition des rôles entre Rémi et moi cette année, donc voilà, mais effectivement, 13e nuit de canal, la fin des étiquettes, on espérera que ce ne sera pas la fin de tout, parce que nous, on ne veut pas. Et donc, nous tenions à remercier particulièrement pour encore une fois cette aventure, Canal+, qui chaque année s'associe au festival, on les remercie vivement, Mélanie Gauthier particulièrement, les programmes courts, Pascal Faure, et donc merci pour être là et merci pour cette nuit. J'appelle sur scène Alain Buros, Jean-Baptiste Ereka et quelqu'un aussi que vous connaissez puisqu'il est de retour sous une autre étiquette, David Libellio. Venez sous la lumière, ce sera le plus joli. C'est moi qui commence, bonsoir. C'est un peu drôle pour moi, parce que comme vous le savez, je me suis occupé de la programmation de ce festival pendant longtemps, et puis maintenant c'est fini, et je viens ici présenter un film. Donc voilà, je crois que c'est mon destin, je n'échapperai jamais à ce festival. Voilà. Juste pour pouvoir vous parler rapidement du projet, du documentaire qui est après, on est parti tout simplement d'une constatation historique assez simple, assez rapide, qui est que dans le mouvement homosexuel, dans les années 70, était révolutionnaire, que dans les années 80, il était contestataire, principalement autour du sida, et que depuis une quinzaine d'années, les mots d'ordre du mouvement homosexuel, c'était plutôt l'intégration et l'assimilation. Voilà, donc maintenant qu'en Occident, d'un point de vue très occidental, il est vrai, l'intégration, l'égalité des droits, les choses avancent et bougent beaucoup, on n'est pas encore arrivé, mais on n'est pas loin. On s'est posé la question de qu'est-ce que serait le prochain modèle, qu'est-ce qui allait se passer après, qu'est-ce qui se passe après l'intégration. Donc on a un petit peu inventé un concept de post-gay. Donc il ne s'agit pas dans le documentaire d'asséner des réponses toutes faites, des solutions et des choses très fermes comme ça et définitives, mais d'essayer de lancer des pistes et des idées de ce que pourrait être un modèle de post-gay. Alors qui sont des choses comme ça, comme vous le verrez, comme la fin des étiquettes, la fin des quartiers ghetto, la revendication comme gay ou lesbienne qui est plus si fondamentale, la fin de la normalité, enfin plein de choses comme ça, qui sont traitées de manière un peu transversale dans ce documentaire, avec des personnages assez vivants, assez en couleur, voilà, donc qui sont des débuts de pistes et des débuts de réponses comme ça sur comment être homosexuel au XXIe siècle, voilà. Voilà, je crois qu'il a bien résumé la situation. La nuit gay cette année, le thème retenu c'est la fin des étiquettes. Donc pour illustrer ce thème, il y a beaucoup de réalisateurs, de journalistes, d'artistes qui ont participé à ce projet. Pour gay après, je vais citer tous les réalisateurs et puis ils peuvent peut-être venir ici nous rejoindre. Je vais commencer par les filles. Lydia Terki et Axel Le Dauphin. Evelyne Rabot. Anna Lachocha, vous connaissez, Luc Arbona et Olivier Nikos, Lionel Bernard qui n'est pas là et qui est au fond de son lit avec 39 de fièvre. Et voilà, pour Pleine Lune chez les Guéchades que vous ne verrez pas ce soir je crois, mais enfin bon voilà, c'est Lionel Courreau qui a réalisé ce film d'animation de 3 minutes. Et puis pour Postix, Aline Maginot, à qui je vais passer la parole. Voilà, vous dire simplement que être post-gay, pour moi, c'est d'abord avoir un regard un peu critique sur la vie gay en général et puis la communauté en particulier. Je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire dans ce film, grâce au travail des réalisateurs et surtout aux personnages qui sont dans ce film et qui nous ont beaucoup donné. Et je crois que certains d'entre eux sont là. Je crois que Daniel et Naira sont ici ce soir. Ils sont coincés à l'aéroport, je crois. Ils sont coincés à l'aéroport. Bon, voilà. Je ne sais pas si Aviator de Luc, c'est. Pareil. Flore de Coquet. Bon, ben, voilà. Donc, je passe la parole à Aline Maginot. Aline Maginot, elle n'est pas là. Elle m'a chargé de la représenter. Donc, elle m'a envoyé un petit texte que je vais vous lire assez brièvement. Cher public du Festival et de la Nuit Gay. C'est pour vous que nous avons concocté ce petit film, construit avec des extraits de films récents.
Nous avons d'ailleurs pris en compte les meilleures ventes, dont de nombreux extraits de films de notre belle industrie française. Que soit, pardon, ici remercier tous les acteurs et actrices, parce qu'il y aura également des actrices, réalisateurs, distributeurs et producteurs. Alors parfois, en effet, c'est les mêmes, hein, qui sont à la fois réalisateurs, producteurs, distributeurs, acteurs, qui ont bien voulu collaborer à ce projet. Que soit ici remercier également ma monteuse, Françoise Fion, qui est également au fond de son lit, et mon généreux producteur, J.F. Lacouille, qui est au fond. Poursuite, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas la poursuite. Peut-être J.F. Lacouille, voilà, peut se manifester s'il y a d'autres gens qui veulent le rencontrer derrière. C'est un excellent producteur. Je vous recommande particulièrement notre séance techno-japonaise et les images de fin de Post-X, qui vont en faire rêver plus d'un pendant un certain temps. Mais vous aurez peut-être du mal à les égaler, on en parlera après. Enfin, sachez que je sors épuisé de ce film, car après des dizaines d'heures de visionnage intensif, j'ai attrapé des ampoules aux mains à force de... Oh, elle était très mal à l'île Maginot. À force d'un excès d'avance rapide, tant de belles images d'amour m'ont aussi fait perdre ma libido pendant 2 mois, mais ce soir je la retrouve, car grâce à la grève, Aline Maginot va rejoindre son bon cheminot. Pour des raisons juridiques, nous ne pourrons pas montrer de fist, mais c'est pour une raison de ne pas prendre son pied ce soir. Bonne soirée. Juste malgré ma liste, j'ai oublié Julien Celeron qui est ici, qui a participé aussi au film, j'espère que j'en oublie. Et moi je tenais à remercier quand même les personnes qui nous ont permis de mener ce projet à bien, c'est-à-dire Canal+, et les programmes 33, Fabrice Coate et Fanny Lisson. Merci. Bon film. Bon film.